Brigitte Bardot signe son grand retour. Bien que vous ne la verrez pas au cinéma, l'artiste sort une compilation de ses plus belles chansons. Ce 7 juin, elle était l'invitée exceptionnelle de RTL. C'est sans doute la personne qui défend le plus ardemment les animaux dans notre pays. Brigitte Bardot est devenue une figure emblématique de la cause, animale sans pour autant oublier ses deux passions, le cinéma et la chanson. Éloignée du tumulte parisien et de la frénésie médiatique, elle a choisi de s'installer à Saint-Tropez, dans sa villa de la Madrague, pour vivre en paix. C'est depuis ce lieu, ce 7 juin, que l'artiste de 89 ans a accordé un entretien exclusif à RTL, l'occasion d'évoquer son actualité, puisque Brigitte Bardot est de retour sur le devant de la scène avec la sortie d'une compilation de ses plus belles chansons. En effet, celle que l'on surnomme Bébé sort une compilation éponyme de ses initiales. Ce disque, composé de 27 chansons, suscite une question. Comment, après une carrière aussi prolifique, seules 27 chansons ont-elles été sélectionnées? L'artiste explique: j'ai demandé qu'on mette sur ces vinyles les chansons que j'ai trouvées les plus belles de ma vie, a-t-elle déclaré avant d'ajouter avec conviction. Je n'ai pas tourné le dos à la musique. L'interprète de Tu veux ou tu veux pas évoque également ses amours dans cette interview. Le journaliste Stephen Bellery lui a demandé si elle avait eu un amant pour le jour et un mari pour la nuit. Réponse de l'intéressé: attendez, je ne me souviens plus, il faudrait que je les compte, a-t-elle plaisanté. En chanson, c'était rigolo de provoquer, c'était charmant en plus. Dans cette compilation, Brigitte Bardot a notamment inclus la chanson « Je t'aime moi non plus » de Serge Gainsbourg. Sur RTL, elle révèle que leur collaboration a été l'une des plus passionnées de sa vie. Au cinéma, c'est avec Alain Delon qu'elle a entretenu une relation très forte, alors que l'acteur de 88 ans a été placé sous curatelle renforcée et souffre de multiples maux. Sans parler de la querelle qui divise ses trois enfants, Brigitte Bardot s'est dite très inquiète pour lui. « Il est très, très mal entouré », a-t-elle déclaré sans filtre. « On s'adore, j'adore Alain », a enchaîné Brigitte Bardot. « Il est comme un frère pour moi, ce qui lui arrive m'atteint profondément. Ça me fait mal, ça et sa maladie qui le handicape », a-t-elle conclu, évoquant à la fois les conflits familiaux et les problèmes de santé d'Alain Delon.